Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome. On incarne la dynastie des Junia. On venait lors de l'épisode précédent de détruire justement cette faction de séparatistes, de sénateurs. Conquérant. Ah oui, on a eu un bon petit triomphe en plus. 4 d'ordre public, ça fait toujours plaisir. Et bah maintenant, il va falloir reconstruire un petit peu tout ce que ça a cassé. Pas grand-chose, ça va. Deux quinquérèmes à refaire. Ah si, oui, j'ai une unité là-bas qui a pris cher à cause des Carthaginois, là. Saloperie. Et lui, oh, bon, lui, je vis sa vie, quoi. Vit ma vie. Hop, on va le refaire retourner à Rome. Voyons voir, est-ce qu'on a des bâtiments améliorés? Je suppose, ouais, Yol par exemple. Hop. Et ici on peut pas, encore. Ah, j'aurais un poissonnier à faire. Et ouais, là j'avais un petit problème d'unité, ouais. On va aller se venger quand même de Carthage. Moi qui ai allé si gentiment l'aider contre les Arvernes. Eh ben on va le laisser dans la mouise. Hein. Dans la mouise, pas dans la Moïse. Oula. Ok. Bon. On va pouvoir repartir sur Carthage. Tiens, j'ai l'impression de. Je suis pas sûr, mais je crois avoir vu les Gétules qui ont perdu leur territoire. Ce serait bizarre parce que je l'ai vu très clair. Je sais pas. Non, ce serait Carthage qui l'a pris avec ce qu'il m'a envoyé. Ça m'étonnerait. Ah bah si! Ils avaient encore assez de troupes pour aller prendre les territoires Gétules. Ah, très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on peut améliorer les villes et villages. Très bien, donc vignerons et villes ici. Ça nous augmentait les revenus de manière assez importante. La consommation aussi de bouffe. On va punir le sot nous-mêmes qui a dégradé le temple de Jupiter. Quelle idée de merde. Et on va aller direction Midgol. Il n'y a pas de route qui passe par là, hein. Ouais, on est d'accord. On va aller direction Midgol avec cette troupe. Ouais, je peux pas recruter grand-chose. Voyons voir. Ah oui, on avait dit qu'on prendrait les premiers de tout. Taux d'imposition. Corruption et ordre public, intéressant. Organisation du travail, j'aime beaucoup. On va prendre notre classe 6 et avec la classe 6, on va aller au niveau d'Ibosim. On accélérera peut-être un petit peu la cadence. Hein? Oui. Au lieu de mettre je sais pas combien de tours, ça en prendra deux de moins. Ok. Est-ce que je peux faire une petite promotion? Oui. Une promotion pour madame. Et une autre promotion. On a pas mal de gosses. C'est bien. On va continuer comme ça. Faut continuer d'en faire des gamins là. On a de nouveau une légion à Rome au cas où on veut nous embêter. Un nouveau gamin, très bien. Faction détruite, Macédoine. Ah ben, on va pouvoir se taper contre les Macédoniens. C'était un objectif, mais bon, bah là, je crois qu'il est pas très atteignable. Un puits assyrial, parfait. Les Arvaques, ok. Nomba Caltago, ok. Ah, il y a pas mal de territoires, mine de rien. Je sais pas si c'est à eux là-bas aussi. Ah, Lusitania, Nova Carthago. Eh bah ils se mettent bien les salauds.
Combien il faudrait de tours pour arriver à Ibosim? 3. Ah, c'est pas de chance. On va mettre une cadence rapide. Là, il y a encore des Carthaginois qui viennent. Bon. Bon, ils vont se prendre les dents contre. Ils vont se prendre les dents sur mes unités, hein, contre mes défenses. Les hippocampes alliés. Tu es fou, allié. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est hors de question, bien évidemment. Carthage. La seule paix que l'on aura sera lors de ta reddition. Sera celle de ta reddition. Ok. On va mener la bataille sur le champ. Vous avez vu qu'en général ça se passe pas trop mal. Donc les hippocampes et les. Ah non, pas alliés. Oh, je suis con, je sais pas lire. Non, mais bon. Je ne sais juste pas lire, c'est pas pareil. Oh. Et normalement, les renforts, j'ai bien vu, ils devraient venir par l'arrière. Enfin, par l'arrière de eux. Donc, par là-bas, derrière là-bas. Et pas par l'arrière de nous. Enfin, voilà, vous avez compris. On met au cas où en abordage. Non, bélier, pas abordage. Ok, donc là, il y a du monde. Et normalement, ça devrait venir de par là. Par là-bas. Ok. On a quelques tirs. Dans tous les cas, ça abîme le bateau. Même si ça coule pas. Ça abîme et un petit coup de bélier et hop. On en termine tranquillou. On en finit tranquillou. Alors, on a fait couler un là-bas. Je vais essayer de la jouer à la manuelle un peu là, ici. Allez, précision. C'est dommage si ça avait touché. Alors, on va devoir le jouer manuel. Ah ok d'accord, ouais. Il est juste passé en plein. En plein milieu de mes unités, allez si tu veux bien. Allez, j'aimerais bien que ça fasse couler les navires avant qu'ils me fassent trop de dégâts de feu. Ça va. Au feu, les pompiers, le bateau qui brûle. Sinon, vous pouvez lui foncer dessus, s'il vous plaît? Attends, comment ça je me prends des tirs? Mais comment il est passé là-bas lui? C'est dingue ça. Allez, on va se replacer surtout. Allez, tu peux bouger mon ami. Non, tu ne peux pas bouger apparemment. Mais comment ça c'est... Ah non d'accord, ouais, c'est pas le bon qui s'est pris. Ouais, super. Allez, fonce-lui dessus toi. Voilà. Ok, toi t'as ta place par là. C'est pas passé loin. Hein. Bon. Normalement on a l'avantage, sauf si nos bateaux se mettent à l'envers, mais bon bah ça... Oui bah non. Forcément c'est mieux pour tirer si on est à l'envers quoi, c'est clair. Bon ça c'est un classique de Rome 2. Hein. Ouais, ils aiment bien faire des marches arrière, c'est bon.
Navire d'artillerie paré. Ah, j'ai perdu des bateaux. Celui-là, ça devait être un des miens. Ouais, bingo. Celui-là aussi, peut-être. On saura pas. Enfin, du moins, pas avant un moment. J'ai encore perdu des bateaux parce que, bon, bah. Taille navale. Puissance de feu paré. Hop. Bon, là-bas, ils sont en mode. Là, pareil, ils sont à l'envers parce que c'est fun. Navire d'artillerie au rapport. Navire en attente. Puissance de feu barré. Artillerie à votre commandement. Lui, il fait des tours sur lui-même parce que c'est fun. Ah, mais je vous dis, hein, les batailles navales, c'est terrible. C'est à la fois magnifique et terrible. Hein, c'est. Je cherche à comprendre. Lui il est à l'envers aussi. Ah il va charger à l'envers. Il essaye de charger à l'envers. De faire une... Ouais, tu vas y arriver aussi. Là. C'est bon, ça y est. Évidemment non, c'est pas fini, il y a encore des bateaux qui vont couler. Allez hein, ah yes, ah il s'est retenu, il a dit non 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 je veux pas. Je sais pas si vous avez vu, j'ai un des bateaux qui est arrivé devant, il était vraiment juste devant de lui, bien lui rentrer dedans, il a fait... Ouais mais non mais c'est pas correct hein. Bon. Bah bon, au moins on lui aura coulé deux flottes entières là. Mais bon, on a encore eu de la perte. Une, deux. Deux navires, trois navires coulés. On ira, le ratio est correct, hein, mais on aurait pu éviter quoi. Allez, direction Ibosim, surtout. Non, je vais relâcher, j'ai suffisamment d'esclaves. Heureux que ma classe 6 est augmentée de niveau hein, avec ce qu'il vient de faire. Allez hop. Voyons voir. Parfait. Un siège s'il vous plaît. Comment ça? Oh sérieux. Ça passe pas en... Ok. Ouh il y a du monde. Oh bah dis, il y a du monde. Bah écoute, tu veux envoyer du monde? Moi aussi je veux y envoyer du monde. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hop, esclavagiste. Parfait. Alors ça c'est qui ça? C'est une espionne, c'est bon. Hop, en Magna Glacia. La municipium civile. Il est ok là vraiment ça passe pas même en su ah ouais mais les pertes ouais allez hop on va faire ça c'est pas grave on refera une flotte de toute façon dans tous les cas au moins on lui fait tomber encore sa capitale enfin, j'en perds un ça va j'ai eu pas mal d'expérience hein, sur les autres donc donc ça me va. Alors, voyons voir. Ah oui, d'accord, super. Faire de la colonie fermière, c'est quoi ça? Ça, on s'en fiche. Ça, on réparera et ça, on réparera. On a quelques unités quand même là qui sont bien. Les Principes là, la vache, ils sont plutôt forts. Hein. Faut pas les embêter, 70 en attaque, là où un prank qui passe non entraîné, à peine entraîné. Non, non entraîné, on a 52. Je vous le dis les mecs, hein, faut pas les... Hein,
Par contre, tu me casses les... Ouais, tu sais quoi? Va crever de faim, toi. Au bout d'un moment, si tu veux pas t'occuper d'un ennemi qui est totalement collé à toi, eh ben va... Hein. Ouais, je vais l'affamer. Totalement l'affamer. C'est bon, il m'a saoulé. Une Vestale a été déclarée coupable d'inconvénients sexuels. Son amant a déjà été flagellé à mort. Oh, laissez-le, on s'en fout. Peut-être toujours vouloir, hein. Bon, il y a deux armées là. On va aller les embêter. On a l'avantage. Voilà, premièrement. Attaque de nuit? Il n'y a même pas besoin de faire une attaque de nuit. Bon, la résolution auto, oui, à la rigueur, j'aurais pu, mais là non. Mener la bataille sur le champ, et on va juste les couler comme des malpropres. Dans tous les cas, je peux me barrer. Mais bon, ça lui fera une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire une victoire et qu'il ne saura pas quoi en faire. En plus, il aurait eu plus de pertes, donc ça aurait été même pas une victoire à la Pyrrhus, ça aurait été pire. Comment c'est le déploiement? Oui. Romains prêts à faire leur devoir. Navire d'artillerie au rapport. Impec, le général on l'approche, enfin, l'amiral. Hein. Normalement les renforts sont venus, censés venir là-bas. Pas où, mais par là-bas, ouais là-bas. Là il va devoir faire avancer ses troupes, hein. J'ai l'avantage des troupes à distance, donc il peut pas rester, en train de regarder se faire... Se faire canarder quoi, sans réagir. Là, on dirait pas, mais il avance. Hein. Ouais, c'est juste très long. Hop, allez, un navire en moins. Hop, deux navires en moins. Deux unités d'amplite en plus. Hop, trois navires. Voilà, ça coule tranquillement, c'est bien. Ainsi fut créé le radeau de la Méduse. Les quatre navires. C'est son général, ça, et ouais. Barrick-Ball. Allez, encore en moins. Et encore un autre. On m'en accélérait. Faut tirer les mecs, hein. Là, vous avez la portée en plus. Bon, c'est bugué comme d'hab, on va remettre le feu à volonté. Ah, ça y est, ils ont compris. Allez, deux en moins. Trois. C'est un peu la bataille navale, mais là t'as rien à faire. Ça c'est génial. Allez, faut. J'en ai deux et demi là qui tirent là. C'est quoi ce bordel? Allez les mecs, là au bout d'un moment là faut réagir. Voilà. Allez, encore des navires en moins. Bien, allez, on continue. C'est pas parce que vous en avez coulé un qu'il faut s'arrêter. Un duo. Un duo que ça m'énerve. Allez. Voilà, comme ça. Heureusement que je suis là. Hein. Bah oui, heureusement que je suis là. Bon, normalement, il n'y a plus de mât, mais c'est pas grave. Non, il est un peu loin. On va s'occuper. De celui-là. Coup de chance, ça va peut-être un peu où là.
Et là je suis en plein dedans. Voilà. Suivant. On ne voulait jouer. Tu veux jouer toi? Tu t'approches? Allez bah viens. Il y en a un, il a vu un truc passer mais à 2 cm de sa tête, il a dû prendre un petit peu peur. Hein. Voilà. Suivant. Navire à votre commandement. Artillerie à votre commandement. Allez, faites-moi faire volonté là. Il a pris un coup d'accélération. Bah non, c'est pas lui que j'ai ciblé en fait. J'ai juste cliqué sur lui quoi. Mon Dieu. Suivant. Ça y est, il commence à comprendre qu'il faut fuir. Bah dis donc. Allez, suivant. Approchez-vous, mesdames et messieurs. Spectacle. Puissance de feu parée. Suivant. Oh, tu serais pas un petit général, toi, en plus, hein? Regarde-moi ça, hop. Oh, bah. Oh, la proue, ça fait du mal. Bon, ça a disparu mystérieusement, c'est pas fait. Hop, allez, coulez. C'était pas un petit général, toi, t'es noble cavalerie. Oh, oui. Maintenez. On est d'accord, ils ont coulé. Ils a coulé, ils a coulé, je sais pas pourquoi. Ça pourrait être un nom, ça. Isaac, coulé. Allez, faisons-nous plaisir. Lequel des deux prendra? Ah bah ce sera celui de derrière, c'est ballot. Hop, et un petit dernier. Non, c'était pas le dernier. Ce sera celui-là le dernier, voilà. Merci d'être passé. Ça c'est une bataille comme on les aime. Voilà l'efficacité de ma flotte. Toute l'efficacité de ce type de flotte on va dire. Plus difficile contre des on va dire des vraies flottes on va dire pas de transport mais on va dire des flottes classiques mais dans ce genre de cas c'est gagnant quoi. J'ai pas être au corps à corps, j'ai pas de risque de me prendre des projectiles, des trucs comme ça. Voilà 7000 en relâchant les captifs je me suis fait là. 7000. Ah bah attendez, on va construire on va fabriquer des bâtiments, on va améliorer nos villes, merci les Carthages. Hein. Vous nous rendez riches. Tu me diras, tout y est passé déjà, et j'ai pas tout fait. Hein. Ça coûte une blende. Bon, à ce qui paraît, toi tu nous pilles. Bon après tu pilles le désert. Hein. Donc bon, j'ai déjà vu mieux quoi, mais... On va avancer. Veux-tu venir? Veux-tu viendre, comme on dit nous, chez nous dans le jargon là. Et sinon, ça farte Carthage hmm. Comment, hein, vous avez faim, c'est ça? Non, j'ai cru entendre que vous avez faim. Brindisium, j'en ai rien à foutre, Rome. Bon bah, abandonné, rien dans les rues. Ok. Plus de population en Africa. Donc à Carthage. Hop, on va réparer les navires. Bon, la réparation elle est rapide. Hop, avec eux on prend la mer. Et on ira direction Carthage. Est-ce qu'il meurt de faim? Il meurt pas de faim. Eh ben dis donc. Quel est donc ce miracle? Est-ce que... Non, je continue à avancer tranquillement. Ça coûte cher le temple de Jupiter. Ouh la vache. Ok. Ah! Ah, je viens de le voir lui. Après, s'il prend 10 midi... le siège de la ville et basta. Par contre, il a vraiment eu aucune perte là en passant dans le désert là.
Pourquoi pas? Ils ont de la résistance au... Toutes ces unités ont de la résistance au désert? À la chaleur, je veux dire. Ok. En marche forcée, je devrais arriver à 10 midi, hein. Ibossim. Oh ouais, oh non, moi j'ai perdu un enfant. Ouais, j'ai oublié un peu. Faire du poisson, là, on va faire ça, on va faire ça. Ils vont être contents. Là, on est arrivé à 10 midi. Ils vont pas pouvoir prendre la ville. Agent découvert, population inspirée, ça c'est bien. Là, on fait un petit blocus. Juste le blocus. Hein. Personne ne passera. Voyage terminé. Et puis let's go. Alors, je vais peut-être engager un mercenaire. Cavalerie mercenaire Scutari. Peut-être en avoir besoin. Parce que là, ils ont pas mal de troupes pour fondre sur mon unité là. Falloir se méfier. Ouais, honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de la mettre là. Hein. Ok, décide de pas venir. On va essayer de la tirer. On va essayer de la tirer dans une bataille à notre avantage. Je sais pas si je peux passer par là. Non. D'accord, je commence avec déjà un malus en déplacement. Ah, c'est très bien, je peux même pas me fortifier. Ah bah oui. Je vais passer chez les Arvernes. Faction détruite, Ligurie. Les guerres montent avec Carthage. Ah bah c'est eux en plus. Ah bah, faites le tour, vous allez pas être déçus les gars. Hop, on va faire une petite embuscade. Ici une terre consacrée. On va améliorer Carthage. On a des bons revenus, hein. Ça fait plaisir. Là, comment ça se passe? Bon, bah, ça se passe bien pour les Massiliens, hein. Ils en ont fini avec leur querelle. L'embuscade a fonctionné. Hop, résolution, mode équilibré. Voilà, j'ai pas de perte. On va relâcher. Avancez. Ça fait toujours plaisir quand ça fonctionne, une embuscade. Par contre, je suis étonné, il manque pas de nourriture. Hein. Malgré que je leur en bouffe. Hein. Après, à l'abri d'une guerre civile ou d'une sécession. Ok. Allez, on va aller chercher. Résolution équilibrée, pareil, hein, 4% de perte. Et là, ça devrait être fini de lui. Allez, ciao. Qui étais-tu? Tu n'étais personne. Très bien. Pareil, on a besoin de thunes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme bâtiment? Ah oui, Caralis. Hop, un temple de Jupiter. Et on a fait tout ce qu'il fallait. On a nos bâtiments qui sont faits au maximum. C'est très très bien. On a le développement qui suit. On va t'augmenter, on va te promouvoir plutôt.
Ouais, je sais, t'aimes pas, désolé. Ah bah. Oula. Alors ça, c'était pas prévu, ça. Mais non, mais non, 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 j'ai pas cliqué. J'ai pas cliqué. Arrête, j'ai pas cliqué sur valider. Oh, 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 jeu de merde, quand tu t'y mets. Oh, jeu de merde, quand tu t'y mets. Je refuse, je refuse. Je refuse. Alors, je vais terminer l'épisode là-dessus. Je vais voir si en faisant un Alt F4, je vais pouvoir retrouver le début du tour, ce qui serait totalement logique, sachant que voilà, vous avez vu ma souris, hein, j'ai la preuve vidéo. Je n'ai pas cliqué, donc ça me va. Eh ben, ce sera le suspense pour l'épisode d'après. Voilà. En attendant, j'ai pas cliqué. Ça me ferait chier de perdre toutes ces unités en plus là. Allez, j'espère que l'épisode vous aura quand même plu. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, c'était Thiob. Ciao.